Y'a plaît pas, vous avez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis rentré de Madrid, ça me fait très plaisir, vous vous doutez bien, un vlog sortira dans la semaine, il y aura de très bonnes scènes et je pense que vous allez kiffer. Mais au-delà de ça, je suis content de vous retrouver, ce week-end m'a fait du bien, m'a aéré l'esprit. Et en ce sens, quelle ne fut pas ma surprise quand je suis revenu et que j'ai vu qu'il y a un petit serveur sur Black Ops 2 qui se sont dit « Mais tiens, ces gros connards de nostalgiques, de youtubeurs de merde qui aiment bien faire des vidéos sur notre jeu, est-ce qu'on leur mettrait pas un petit serveur compétitif ?» Et moi, je me suis dit... Bah si en fait, hein, c'est une très très bonne idée. Du coup, en fait, ils ont fait un petit serveur avec du point stratégique sur les maps de BO2 à l'époque. Standoff, Slums, Express, Yemen, Raid, voilà, tu connais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ce serveur-là, jouer à la MP7, la MSMC, essayer de slay comme à l'ancienne. Puis voilà, tout simplement. Et vous, vous allez bien ou quoi? J'espère que tout se passe bien pour vous. Franchement, en ce moment, tout roule. Je suis en train de prendre un rédacteur pour Z-Story. J'ai eu quelques candidatures par mail déjà. Donc un rédacteur, attention, quelqu'un qui m'écrira directement les scripts, hein, parce que comme je l'ai appris dans le Zach en roue libre que j'ai fait avec Poisson Fécond, lui, vous savez comment il fait pour enregistrer ses vidéos? Il a un prompteur. Il a un prompteur comme à la télé pour pouvoir lire une partie des scripts, alors que moi, vous savez comment j'enregistrais les Z-Stories? C'est ce qui me prend le plus de temps à l'heure actuelle avec les streams, et c'est pour ça que j'en fais moins, c'est d'apprendre correctement le script après l'avoir écrit. Et oui, j'essayais de tout faire de tête ou de temps en temps sur le téléphone, mais c'était vraiment compliqué. Alors que là, en prenant un rédacteur, quelqu'un qui me fera les scripts, il sera payé pour ça. Et en plus, en achetant un prompteur à la télé, eh ben, peut-être qu'on va pouvoir reprendre ce format qui me tient à cœur et que je sais que vous aimez bien. Bref, on est dans l'intro, on est tranquille, on parle de tout et de rien. Maintenant, il est quand même temps d'aller in-game pour aller shred énorme. C'est parti. Let's go, baby. La game a commencé. Alors, je vous préviens, dès le début, il peut y avoir des mini coups de lag à des moments. Alors, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le serveur qui bug un petit peu, mais ça ne vient pas de moi. Au global, ça marche très bien, hein. Regardez, là, comme ça, il n'y a aucun souci. On est sur hijack. Oh là 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 là. Je suis en train de shred énorme, j'ai dit. C'est 4 directement dès le début. Ça me fait plaisir. En plus, mon équipe était en train de perdre. Juste voilà, je vous le dis dès le début qu'il peut y avoir des coups de lag, comme ça il n'y a pas de gens... Ah, Zach, ça lag un petit peu dans ton gameplay, c'est nul. Bon, vous allez bien ou quoi? Alors je suis très content, vraiment, du retour que vous m'avez fait sur la vidéo du concours de blagues. Alors vous l'avez pas tous regardé, elle est sur ma chaîne, vas-y, je vais vous mettre une petite fiche en haut là pour que vous puissiez la regarder. Franchement, que ce soit les likes dessus ou les commentaires, vous avez adoré le concept et donc je suis très fier de vous dire qu'il y aura une deuxième édition. Et pour ceux qui ne connaissent pas le concept, qui n'ont pas regardé parce que le titre ne les a pas chauffés, en gros c'est très simple. J'invite des abonnés sur Discord, ils viennent me faire une blague, si c'est drôle, ils gagnent un sub, donc un sub à ma chaîne Twitch parce que je le fais en live, et s'ils perdent, eh ben ils gagnent le droit de se barrer honteusement, en se tapant la honte, devant tous mes viewers. Alors ok, je suis peut-être pas Zerator hein, en termes de viewers, etc, mais j'ai quand même un petit peu de monde en ce moment sur mes streams, ça me fait plaisir. Donc ça reste... Oula! Attention, ça reste quand même risqué. On est en train de perdre, là. On va essayer de se mettre bien. D'ailleurs, petit remerciement à tous mes frérots. Hop, attends. Ils sont où, là? Monsieur! Oh, mais il faut pousser avec moi. Voilà, let's go! On a repris le point. C'est bien, on a repris le point. J'ai oublié tout le contest qu'il y avait dans ce point parce que lui suffisait d'être dans le couloir, mon gars. Ça donnait de ces trucs en compétition. D'ailleurs, je crois que cette map, elle avait viré un moment en compétition. Elle était plus, là. Ça doit être à gauche. Non, voilà. Vous l'avez vu passer, c'est bon, j'ai eu le kill, 5 secondes, il y aura quelqu'un d'autre ou pas? On va avancer. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, pourquoi? Parce que j'ai eu mon contrat 70-30 de Twitch. Alors vous savez c'est quoi le contrat 70-30? Certains le savent, je vais quand même répéter vite fait pour ceux qui ne savent pas. En gros, quand vous payez un sub sur Twitch, tu vois, genre ça vous coûte 5$. Voilà, ça vous coûte 5$, c'est le prix. Hop, dommage. Ça vous coûte 5$, c'est le prix. Et le streamer touche 50% de ce prix-là. Voilà, il y a 2,50 qui va dans la poche du streamer. C'est du 50-50, c'est le contrat de base de Twitch. Certains diront que c'est de l'arnaque, certains diront que c'est légitime. Moi, je m'en bats les couilles de vos avis. Et non, plus sérieusement, vous avez le droit d'avoir vos avis, y a pas de souci, je le respecte. Et là où je veux en venir, c'est que moi, du coup, j'étais sur ce contrat de base, ce 50-50. Alors, tu te doutes bien que tous n'y sont pas, hein. Sardoche, Gotaga, tout ça, ils sont sur des contrats supérieurs. Et il y a un moyen d'obtenir un contrat supérieur qui est le contrat 70-30 pour toucher 70%, monsieur! Avoir encore plus d'argent! En ce moment, sur Twitch, j'ai plus de 1000 subscribers. Donc, sur un contrat 70-30 à l'année, ça représente à peu près 12 à 15 000 euros de plus de chiffre d'affaires. Et ça, c'est très cool. Alors, je dis chiffre d'affaires parce que j'ai souvent été en auto-entrepreneur pendant ma carrière YouTube, mais depuis quelques temps, je suis en société. C'est aussi pour ça que je réinvestis. Par exemple, j'ai acheté un micro, j'ai acheté pas mal de choses notamment, et ça vous le remarquerez sur le vlog de ce week-end, j'ai même pu live IRL en achetant des trucs pour le téléphone pour pouvoir le faire, bref. Oula, ça lag vénère. C'est bon, attends. Ouais, mais voilà, je crois que c'est vraiment le serveur qui lag, c'est pas ma copie. Ils sont beaucoup à laguer de cette manière. Oh, dans mon dos. Attends, on va envoyer le Hellstorm. Boum! Là, normalement, c'est triple, minimum. Ouh!
Triple kill, baby. 21-9, je suis le seul à jouer dans mon équipe. Regardez, je suis le seul à jouer dans mon équipe. 4-15, 5-15, mais les mecs ont des pinces de crabe, frère, c'est grave. Attends, et le score? Et le score, c'est même pas si... Et même pas, on est même pas en train genre de perdre de ouf, tu vois. Hop là, let's go. Attention, on rabat sur une MP7, super, encore un kill dans le coin. Ça lag encore un peu, mais on va pusher. Ok, encore un kill, c'est bien. Celui, ce camo-là, je le détestais. Je trouvais vraiment que c'était le camo le plus moche de l'histoire des camos. Je ne l'aimais pas du tout. Oh! Baby! Regardez-moi cette série de kills, je suis full streak, ça a un petit peu lagué tout ça, c'était bordélique, mais on a réussi à obtenir. Attends, on va sortir ça, je suis obligé de sortir ça, mon gars. Je suis obligé, let's go, on remonte, Zach. Mais il meurt jamais. Oh là là, il meurt pas le mec, what the fuck. Ok, devant le point il est mort, on va mettre, attends. On va recharger. Donc ouais, merci pour le contrat 70-32 Twitch. Sincèrement, les mecs, ça fait 5 ans que je fais ce métier. Il m'a fallu 5 ans pour apprendre à être régulier en allant en Estonie. J'ai continué depuis que je suis en France. Et bah votre soutien, en fait, me montre que, tu vois, on peut y arriver en tentant des choses et en s'y mettant même un peu tard. Et il me fait super chaud au cœur. Et pour le contrat 70-32 Twitch, il suffisait... Enfin, il suffisait, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais il fallait avoir... Ouf, oulala. Fallait avoir 350 subs payés par mois pendant 3 mois. 350 subs payés par mois pendant 3 mois. Je l'ai eu. Et depuis que je l'ai eu, là, je suis parti en fait le fêter à Madrid. En partie, c'est pour ça, tu sais. Je suis allé à Madrid, je me suis dit, ah ça y est, contrat 70-30, on peut aller faire la teuf maintenant. Donc je suis un petit peu allé faire la teuf à Madrid. Là-bas, tout est ouvert. Il y a les restos, les bars, tout ça machin. Donc ça m'a fait plaisir. Même s'il y a un couvre-feu à 23h. Et donc je suis allé un petit peu le fêter là-bas et croyez-moi, bah ça m'a fait plaisir, j'ai rencontré des abonnés et tout, c'était très très cool. Allez, point stratégique récupéré. Moi je veux juste gagner la game, enfin c'est mon but, c'est de gagner cette partie, je le dis très très officiellement. Oula, ça lag un petit peu, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous les quelques lags qu'il peut y avoir, mais le gameplay en tout cas, je sais qu'il est de qualité. Ça va arriver là, je le sais. Petit, tu es prévisible. Oh, de l'autre côté, putain. Dommage, c'est chiant ça quand t'es de l'autre côté, mais mes amis ils font quoi? Bande de branle-couille, ouais, bah, c'est bon. Plus ça vient de leur côté, tu vois. Ah, j'ai déjà débloqué mes streaks, attends. Je fous ça. Oh, dommage, j'ai perdu mon duel. Dommage. J'ai les tétons qui pointent, mon gars. Let's go. Alors, le pire, c'est que là où je me rends compte, c'est quand j'ai posté quelques petites stories, tout ça, à Madrid, c'est que les gens ont du mal à suivre les infos, et donc je réponds dans la vidéo. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont vu à Madrid, qui m'ont fait « Mais Zach, on peut voyager en ce moment, machin !» Bah oui, frérot, on peut. En Union Européenne, tu peux, et tu peux le faire. Le mieux, en Union Européenne, tu peux le faire sans aucune raison, style professionnel ou quoi. T'as totalement le droit de voyager pour tourisme, comme je l'ai fait. C'est dans tes droits, il nous reste malgré cette période de pandémie, il nous reste quelques droits. Et bon, malgré cette période de pandémie, j'ai eu quelques personnes qui ont essayé de me faire les moralisateurs en mode ouais, c'est vrai que voyager en ce moment, c'est pas... Bah les couilles, vraiment, je vais être honnête avec vous. Oh, le turn qu'il a pris après de perdre la machine de guerre, mais turn quand même. Oh! Attends, si je gagne mon duel, c'est très grave, je suis en train de les baiser, c'est magnifique. Hop, attends. Là, encore un kill, on recharge. J'ai eu quelques personnes qui ont essayé de me faire un peu ouais, Zach, voyager en ce moment, machin. Bah écoutez, moi les amis, il y a des règles, je les respecte, je fais mon test PCR avant, après, j'observe mes gestes barrières. Pour le reste, si j'ai le droit de voyager, si on me demande pas de raison, si c'est autorisé, je le fais. Et aller casser les couilles, j'en sais rien, aux meufs sur Insta, les bails comme ça, là, celles qui ont des commus où ça vient leur faire chier pour pas grand chose à des moments. Mais avec moi, sachez que vous aurez juste une seule réponse, je m'en fous. I don't care, to be honest, I don't care. Alors c'est pas que je m'en fous de la maladie ou quoi, hein. Non, j'ai un grand respect pour tous ceux qui travaillent et qui ont souffert à cause de ça, tu vois. Mais ce genre un petit peu de commentaires à deux balles du style « Ouais, Zach, t'as pas honte si ça ?» Non, franchement, c'est un grand nom pour moi, tu vois. Genre pour moi, c'est un petit peu une façon de tout mélanger et d'essayer de culpabiliser inutilement. Et moi j'adhère pas trop, hein. Bah, c'est mon avis. Hop, 61-15, hein. Mais c'est tellement indécent ce que je suis en train de les remettre, c'est tellement indécent. Alors attention, je suis désolé par contre, vu que là, le gameplay peut se finir sans cam. Je vous préviens, je n'ai plus de batterie dans ma cam, à tout moment ça s'éteint. C'est de l'amateurisme, monsieur. Bah ouais, bah écoute, on est en train de se professionnaliser, de prendre un rédacteur, un monteur à plein temps, tout ça machin, mais ça prend du temps de devenir parfaitement carré et organisé. Il me reste que... On est en train de gagner? Ouais, c'est bon, on est en train de gagner en fait. Je n'avais pas vu, attends. Enfin, je crois même que c'est déjà win là. Hop, on va mettre les streaks. Hop, hop, ça à l'arrière du bateau. On va rentrer dedans. On va faire un coucou, c'est nous. Coucou, c'est Kaznani. Coucou, monsieur.
Hop, on inverse, ça va venir là, j'en étais sûr. Bah non, pas besoin, pas besoin. Et la carte de ses pas étante, let's go, ça fait plaisir. 68-17. Ah, vive ce mode, vive ce mode. Fait très chaud au cœur. Fait très très chaud au cœur. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, un petit j'aime. On se retrouve dans la semaine avec plein d'autres concepts. Le vlog, le concours de blague numéro 2, peut-être pas dans la semaine, mais la semaine prochaine. Si vous voulez être mon prochain rédacteur de script pour Z Story, il y a mon mail dans ma bio Twitter. Envoyez-moi des écrits, des choses que vous avez déjà fait, ça pourra jouer en votre faveur. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous!